Bon, conseil de pro, débrancher l'adaptateur, retourner la bête fermée, et débrancher la batterie. C'est parti. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, je vous le dis. Voilà, nickel, vous entendez ? Plus un bruit, c'est que la bête est rangée. La bête, comme dirait Delphine, la bête. La bête. Ou dans Lucky Luke, la bête. On dirait un autre truc, voilà. Redémarrage en cours. Tout le monde est là ? Tout le monde a suivi ? C'est parti. Ce coup-ci, c'est le bon, hein. Il n'y a pas moyen, voilà, ce coup-ci, c'est le bon. On va faire autre chose, on va aller naviguer un peu, voilà, on va s'occuper. Un peu de musique, en attendant. Bon voilà, normal, Windows n'a pas été arrêté correctement et un plusieurs de vos lecteurs peuvent produire des erreurs. Pour éviter d'obtenir ce message, arrêtez toujours votre ordinateur en sélectionnant Arrêter dans le menu Démarrer. Scan disque recherche les erreurs éventuelles sur le lecteur C. 83 pourtant effectué. 86,87. Nickel. Désolé pour le moment. Voilà, pas trop de musique. Pas trop fort, voilà. Attendre l'arrêt complet du lecteur de disque. Disque C, bien sûr. Disque C ? Disque C. Disque A ? Disque A, disque B, disque C, disque C. C comme computer. C comme classe. C comme Corneille. Quand même, tu sais. C'est mieux d'entendre ma voix, c'est soporifique, il paraît. Quand je parle vite, on s'endort. C'est mauvais, ça, c'est mauvais. Faut parler avec des émotions. Un peu comme cela. Sans deck. Et c'est parti, mon kiki. Ah, on sent mieux. Bon, est-ce qu'on réessaye de Gracias? Il est pas chaud l'ordi? Là, faut y aller avec précaution. Je pense qu'il faut pas s'arrêter à si bon chemin. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Non, il n'y a rien à faire. On va faire continuer la création. Parce que c'est long, les mises à jour, hein, puis la mise en route, pardon. Voilà. Continue la création. Et ben ça marche pas. Et ben on va faire au hasard. C'est parti, ça va aller vite. Choisis ton destin. Ça va aller vite. On a déjà vu, là. Toi qui viens d'exister par-delà le néant. Le temps, ô souverain des murs, ouais. Maintenant vient pour toi le choix de l'élément. Ô des murs, tu sens naître en toi. Ouais. L'énergie émane de toi, ô des murs, ouais. Comme d'une source intarissable.
Elle, ô entité, ton être est immense et tout-puissant, mais permet à tes futurs enfants de contempler ta sublime forme. Il est temps pour toi, ô entité, de sceller pouvoir, aspect et forme en un être unique. Nomme-toi, ô démiurge, afin que tes futurs enfants puissent croître et se multiplier. Ton esprit sagace sait que l'on ordonne maintenant, ô démiurge, cette masse chaotique. Et ton œuvre est sublime, ô démiurge. Le temps est venu de sceller ta création. Appose-y ton sceau, le haut lien, afin que l'harmonie résonne entre ta création et toi. Il est temps pour toi de déposer tes enfants si longtemps. Dépose maintenant avec ton infinie douceur hors des murs. Nomme-les maintenant, afin qu'ils sachent qui ils seront. On en était resté là. C'est parti, donc I pour un tour. Ça pète, hein. Ô maître, les éons ont passé et le credo est de nouveau accessible. Voulez-vous le modifier afin de mieux répondre aux aspirations de vos enfants ou votre infinie sagesse souhaite-t-elle lui apporter quelques corrections? Comment on sort de là? Ô maître, les éons ont passé et le credo est de nouveau accessible. Voulez-vous le modifier afin de mieux répondre aux aspirations de vos enfants ou votre infinie sagesse souhaite-t-elle lui apporter quelques corrections? Ô maître, les éons ont passé et le credo est de nouveau accessible. Voulez-vous le modifier afin de mieux répondre aux aspirations de vos enfants, ou votre infinie sagesse souhaite-t-elle lui apporter quelques corrections? Des cons. Hélas, des murs, hélas. Ah, voilà, c'est fini. Pour t'en coûter, tu as tant donné que ton énergie t'a quitté. Tu t'endors dans le tiède courant des éons. Mais ne crains, l'amour de tes enfants, leurs prières, leurs énergies. Oh, des murs, les éons ont passé et tes forces te sont revenues. Il est temps pour toi de t'éveiller et de régner à nouveau sur ta création. Le hasard fait bien les choses. 1105, putain, faut arrêter là, voilà. Faut arrêter là. On prendra plus tard. Voilà. C'était Geoffroy Nidio pour www.arobaz.com. À bientôt.